Le Sénégal oriental, c'est une région semi-sahélienne et les effets des changements climatiques sont beaucoup plus présents ici que ailleurs au Sénégal. La perte de fertilité des sols est de plus en plus prononcée. Le dérèglement du système pluvial est de plus en plus prononcé. Nous avons mis en place ce qu'on a appelé la DITAEL, un dispositif au niveau local qui regrouperait des institutions, la recherche, les autorités locales, les producteurs, pour réfléchir autour d'une activité, autour d'une action commune pour une transition agroécologique au niveau de la région de Tambacounda. Dans l'initiative de Saré Boubou, la pratique agroécologique qui est le plus souvent utilisée, c'est le parquage avec les bovins qui sont parqués dans les champs, ce qui leur permet de fertiliser leur sol naturellement sans pour autant utiliser des engrais qui dégradent leur sol. Et le parquage, nous avons mis à la bille, nous avons mis à la bille, nous avons mis à la bille, nous avons mis à la bille. Nay, dami, pucci, babi. Si mi wadi don suuna, mbinno ran mi don ko ndamiri ndi e naydi. Naydi di mbinnoto dum ha sengo ha, so yeyi ha lebbi tati wala nay. Hongol ta naydi puddi heegede min mbopi tati. Kono hakkun don e lebbi tati, he nay, naydi ko min kumatbe di purdi mbawa winnade ngesa ba, miden ciottina. Par des semaines fof min ciottina naydi des semaines fo e der ngesa ba min ciottina naydi ha ngesa ba fotta so tayoni ba fotta ne der lebbi tatidi dammi di min badata hen dammi ni ngona sengo naydi ngona sengo he der ciedu o a wawande wadirde parkas ndi heydi ndi nyala he de mois de novembre décembre den bille don si tayoni a hebi heden ko heewi den imbaawi jaggude hen ngesa maako no feewi. Les chevaux, eux, d'habitude, ce que les populations font, c'est que les chevaux sont dans la concession. À chaque fois qu'ils ont fini, par exemple, leur travail, ils sont dans la concession, c'est là-bas qu'ils prennent leur alimentation et tout. Maintenant, dans leur enclos, la matière organique qui est déposée par le cheval est transportée, que ce soit par charrette ou par brouette, et pris et amenée dans les champs. Ça aussi, c'est un autre type de fertilisation organique par le biais des animaux. Na fore parka e ngesamba so tay woni a winni madula don jidata he ko wada engere do binnida fof hitande wotere ha dori no feewi a way wonde duubi didi duubi tati a winnaaki don ko wana dum ko titi produit mo kebata ton mo nyaamata o mo akkata ma nyaaw. La régénération naturelle assistée, dite RNA, c'est une technique agroforestière qui vise à améliorer le niveau de fertilité des sols. C'est une technique qui consiste à laisser au cours du défrichement 1 à 3 rejets pour qu'ils puissent poursuivre leur croissance. Et les autres tiges qui seront avec, donc il va les éliminer. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence, parce que s'il y a trop de tiges, donc la tige qui est dite vigoureuse, il y aura du mal à se développer. Pour la RNA, on utilise toutes sortes d'espèces. Donc tout dépend de l'objectif du choix du producteur. Donc il y a des espèces qui sont fertilitaires, donc comme les légumineuses. Il y a des espèces qui produisent énormément de fourrage. Il y a des espèces qu'on utilise qui sont à cause de leurs fruits qu'on vend à bon prix dans le marché. E hakkunde RNA wapre e wapre kala e wawi wonde métraji si tawi ko ngesa remete mba hay rendement o fotata mbaɗa ngesa e do RNA o woni ɗo andi barali ɗi janat ngurtina leydi ndi sa awi hen fayda wayno ko waɗa dorde taa ɗi fayi ene waɗi saabu joni si RNA o woni e nder ladde he ɓiru nayiji ɗi ha he ɗumanen mbawi ñamde he kakaji ɗi andi fayda ko wano dabaji ɗi ɗin jawata bonnude RNA ɗin si ngari ɗi kilata calli ɗi ko barali ɗi tan ɗi guittata ɗum noon si itti ɗum bonnata RNA o ɗum takata si toɓi han wiltat joni sa laari nafoore wonde he RNA sa laari gese baɗaɗe RNA ɗe ɗen ko jaltinta e rendement ɗe mbaɗa ka RNA mbawa ɗum jaltinde sabu sa laari wurtinal leydi ndi e i haɗa hendu kadi te e leƴƴi kewɗi majjunoɗi
di ngartat hen sabu salari minen do ko barkeje tan e ko wiyete doki. Depuis sa création, la DITAEL a plus fait des ateliers et des visites d'échange pour se connaître entre nous, savoir ce que nous faisons et quels sont les types de synergies possibles entre nous. Le problème d'eau, c'est aussi un problème qu'on peut retrouver dans la plupart des villages de la commune de Koussanar. Mais heureusement qu'à Sarebubu, nous avons quand même une pompe qui a été mise en place par Endapronat et qui fait que le village n'a pas énormément de difficultés d'accès à l'eau, que ce soit pour les populations, mais aussi pour le bétail. Yaltin gol ndiyam dam mi wadi tadela dabu ko pucci babbi ko dum yaltina no ndiyam dam wada waktuji hay pucci di ganya do tukalo babbi ganya tukalo e ko takki be mbadi solero do ko hender enen ga leedi men ga nangay wodi waktu fof e so tay woni ko wayno courant wala moteur dum mi heewi tadela engala dole wawde hebde machine ay sappu mi ala limit andine sare hewbe konon ko pompe o wadi do ko di duudi jeedi tan e lone ne yarnan no ko heewi joni taa o si golle gese poti debbo fo hebat no golleri ga ciudi ga ko yaawi hempina yaha gese gollo ya te fo wi golle andi joni sa pari ga hirande ma lawtan a yahat gese ci waktu dabunde o foti debbo dawa do gese gonga ya sigirte ndugama gonga hoccha min koccoya ha hewa si besi foti min daro min besa dum fota a hebi ndiyam ma ko yaawi tan parat golle ma ga ciudi ko yaawi jaha li goda to gese to danya hen sabu sa danyi kocce ma ga dalo wa sakuji ma si besu foti kala mo ndawanda besu yangtuma benuel ha hewa nokkan ma benuel ha hewa na balo wa dum ko onon besu be debbo oji dum ko jeyal mudum ko dana mu wadata dum ha ko min pari besu fof si golle gese pari jom en jaha peso yadu jom debbo pesa do heba ujunaje sappo e girte mudum andi yahanata lumo si lumo ariya soda soklaaji mu soda soklaaji bibbe mu walito gorko mudum soda mafeji mu soda sabunde artira ga galle den balde gorko mu fofta ha dum fojo wadi foftere sabu ontuma fojo ni subaka tar woni ndu ko giji wadi yimbe be bekka pucci di be ciowa balke de ha kewa moni fo jepta ciukal mu joddina do dog ndiyam dam ko nyalla don joodo ko ndoka min jidi yo be jangu ecole min getino be jangiroy min kuri Tampere joon non bila dum don dañi ciowgol balke ala ko jooda gol tan gaddo fo yarnar ya suka be amen fo min nabi be sar samuru be janga ecole. Nous devons vraiment créer des synergies, des consortiums qui nous permettent de réfléchir tous ensemble pour le bénéfice des producteurs et développer notre agriculture qui est locale.